situation, terminé. Comment ça va? Anna, voyons. Stop, vagabond! Comment on se retrouve? Je parie que tu as oublié qui t'a sorti de l'eau. Au fait, je m'appelle Olga. C'est toi qui as affronté le maître de la forêt? Impressionnant. Nos chasseurs l'évitent depuis des années. Merde! Désolé, professeur. Le verrou est totalement rouillé. Ton ami Alyosha est déjà au barrage. Selon lui, votre colonel n'attendra pas. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps. Désolée de ne pas pouvoir t'accompagner. Pendant le conseil d'aujourd'hui, les pirates ont décidé d'attaquer votre train. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir sans moi. Comme d'habitude, je dois régler la situation. Mais j'ai le temps de te donner quelques indications. Pour aller au barrage, il te faut un bateau. Les pirates gardent tous les bateaux dans le marais. Ils sont du genre égoïste, mais c'est pas une raison pour passer à l'attaque. Personne ne veut que ça tourne au bain de sang. Alors reste discret.
Dirige-toi vers la barricade. Descends en direction du marais et trouve le quai. C'est là que j'ai pris le bateau avec Alyosha. Que le professeur me pardonne. Il en reste quelques-uns, mais sois prudent. Eh bien, vagabond, sois prudent. Et ne me fais pas regretter de vous avoir aidé. Passe le bonjour à Alyosha. Je vais rester un moment et m'occuper de la tombe du professeur.
Alors arrête ça! Comme ça, les rats frappent même plus à la porte. Comme disait le professeur, la politesse, c'est tout ce qui nous différencie des bandits et des bêtes. Attends une minute. T'es pas des nôtres, toi? Un bandit? On dirait pas. Enfin, avec les bandits, on sait jamais. Ils sont imprévisibles. Est-ce que je me trompe, Senya? Vous vous trompez jamais, amiral! Oh, la ferme! Quel lèche-cul, celui-là! Où j'en étais? Ah oui, le bandit! Bon, si t'es là, c'est que cette bande de mollusques et de prétendus pirates s'est fait décimer. J'ai raison? Pas la peine de répondre. Tout le monde sait que j'ai raison. Eh ben moi, je dis bon débarras! On devrait peut-être lui offrir l'hospitalité, amiral!
bandit ou pas, c'est un invité. Ah, quelle bonne idée. Assieds-toi, bandit. Prenons un thé. Crois-moi, t'en as jamais goûté de pareil. Je l'ai cueilli, séché et infusé moi-même. Je peux pas compter sur ces incapables. L'avantage, c'est qu'ils mangent pas beaucoup. Pas vrai, les gars? Ouais. On fait de notre mieux, amiral. Oh, arrêtez de jacasser. Vous faites plus de boucan que des aquas en rut. Respectez un peu notre invité. Il n'arrive pas à en placer une. Tu pars déjà? Alors vas-y. Après tout, t'es qu'un rat, comme tous les autres. Des rats qui quittent le navire. Une fois de plus, on va rester ici pour tous les protéger, sans obtenir un mot de remerciement. Pas vrai, les gars? Pas vrai? Les remerciements, on s'en tape! Je veux même pas leur parler! Qu'ils aillent se faire voir et qu'ils se laissent tranquilles. Ouais, la tranquillité, c'est ça qu'il nous faut. Alyosha, répondez, on avance doucement. Ça, pendant c'est qu'on répare les voies, j'ai envoyé. Trincon, à la tranquillité. Et militaire, en plus. On peut difficilement s'attendre à en trouver dans une pharmacie. Bon, voilà, Sam. Qu'est-ce que ça a donné? Toujours rien. Juste ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un calmant. On en a besoin aussi.
Artyom ? Ah, merde, t'es vivant ! Je suis trop content de te voir. Et je viens juste d'entrer en contact avec l'Aurora. Ils ont peur, et je peux les comprendre. Cet endroit est moins tranquille qu'il y paraît. Viens, je vais te montrer.